Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau débrief de l'épisode 7 de la saison 2 du championnat ISCRABLE Topping. Et euh, je m'apprête à jouer les 5 parties de cet épisode. Euh... Petite info euh, qui m'a été donnée par Jean-François Ramel, merci à lui. Quand vous allez sur le site de la fédération, eh bien il vous suffit en haut de cliquer sur ISCRABLE dans le menu ISCRABLE qui est juste à côté de ma fiche. Qui est apparu il n'y a pas très longtemps et vous tombez sur euh, toutes les infos du iskrab e que ce soit le classique ou le euh, topping et vous avez accès bah, notamment euh, aussi à vos parties jouées euh, du jour euh, vous, avez, euh, euh, e vous avez le championnat iskrab vous avez le championnat classique et vous avez les outils aussi euh, voilà donc euh, vous avez tout ce qu'il faut en gros et donc euh, voilà on apprend que je suis actuellement 9e sur 34 de mon groupe que j'ai joué 30 parties le pourcentage de joueurs pourcentage euh, euh, pourcentage et puis le temps et les top ouais. en fait c'est le négatif en vrai ça devrait plutôt s'appeler négatif j'imagine voilà ça c'est le temps et le nombre de top trouvés voilà euh, donc en tout cas euh, voilà comment trouver euh, comment trouver et donc euh, sans plus tarder je vais me lancer dans le championnat mes objectifs habituels, essayer de faire moins d'une heure pour cinq parties, toper une partie et puis, euh, <coughs> puis on verra bien ce que ça donne, voilà allez je vous dis à tout de suite voilà la partie 1 qui d'un côté s'est bien passé pour moi et de l'autre côté m'a frustré parce que j'ai raté le deuxième coup de tournoi choisi, moins 5 Impossible de former ce mot. Euh, horrible. Horrible ce mot. Donc euh, bah, je fais 7,27 quoi. 7,27 en perdant 2 minutes 30 sur so-y Donc euh, ah, ça sentait le... Il y avait moyen de faire euh, faire ça à minute et quel quoi pour moi sur cette partie avec un top, avec un joli top. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Allez, on y va pour le débrief. Donc, est-ce que vous voyez tout correctement Oui. Donc, sexy ou sirex, ok. En plus, j'ai fait wax très vite, quoi. Je comprenais pas le coup. Qu'est-ce que tu veux faire, sois-y avec ça C'est pas possible, quoi. Quel a été mon problème De commencer par le S, j'imagine. Si on me dit commence par le S, déjà, je suis plus favori pour le trouver, quoi. Terrible. Terrible, euh, Bazari, très joli. Zawiya, très très joli. Que j'ai joué pour le plaisir et j'étais déçu que ça fasse que 35 points. Voilà, bon, sinon il y avait moyen de faire des mots comme Zarbi à 34 points. Zara, pas mal de vocabulaire euh, par là. Bazari, euh, commerçant d'un bazar en Orient. Le wax, tissu de coton. Et puis le Swazi, du Swaziland. Et on peut mettre un E qu'on a mis après d'ailleurs dans la partie. Carbura scrabble unique, bon bah faut pas s'endormir avec ces lettres. Hein. Faut... Il y a Aubrac, mais j'ai joué Xar pour commencer. Il y avait Barza et Bazar qui sont un peu plus. Bon, je pense qu'on peut rapidement s'orienter vers la recherche de scrabble si on nous dit que Bazar n'est pas le meilleur coup. Malienne, c'est piégeux, c'est piégeux. Le tirage est pas mal, faut aller chercher le i de Soisy. Je me suis déjà fait avoir souvent sur des coups comme ça avec le i un peu caché. Là, on vient jouer euh, en blanchard quasiment et juste des petites cases bleu ciel. Là. Euh, Méléna en quadruple, c'est vrai que ça rassure On est mal Mélena. Euh, ça rassure relativement. Euh, donc, Malienne qui est Mélanine. Hein. Si je ne m'abuse, voilà. Euh, dénotera. Euh... Alors, très jolie anecdote sur le C, malheureusement pas payant. On perd 10 points. Détonnera, dénotera. Voilà. Je ne retrouvais plus l'anagramme de dénotera c'est détonnera. Attention, détonner. Intransitif. Produire le bruit d'une explosion. Bon, du coup, euh, j'ai envie de dire, ça me fait penser à déflagrer. Voilà, faire explosion. blouset ou bilout le nouveau mot 2020. Euh, j'ai joué cubilo pour ma part après avoir tapé cabilo. Mais c'est pas comme ça. Et cubilo four utiliser en fonderie. Voilà. Tubicol. Cibulo. À rapprocher. Bob Taylor à 80 points, jockey à B, en en triplé le B, c'était pas payé. Hein. Voilà, beaucoup de scrabbles, l'élégant tabloïd ici, bibelot, bitonal avec un S. Jolie, jolie, de jolies solutions. Guipure, scrabble unique, donc ça envoie du scrabble unique hein, dès la première partie, carbura malienne, guipure, tous uniques. Donc guipure, dentelle très ajourée, il y a le verbe guiper, mais je suis pas sûr que c'est le moindre rapport. Euh, Su qui fait Soasy en sous-top. Évidemment, c'est beaucoup de points Soasy. Hum, Mojo qui gagne sur Romaji. J'étais déçu que Romaji soit pas le top. Il y a aussi Mojo en collante. j'ai pas vu ça. Et Major, ça tombait assez vite. Tu es Morito au tirage. Euh, Pram, vocabulaire qui gagne 8 points sur Tramé. À la même place. Bien que plus long. Euh, le P, évidemment, en triple, gagne beaucoup de points. Pram, barque permettant d'accéder à un bateau. Euh, vocabulaire hein. vocabulaire ici euh, avec ce pram j'avais un léger doute euh, confondu avec framer qui est toujours euh, E pour, pour le coup voilà. bon j'aurais probablement joué pram quand même vitra en formant versus le classique versus bon là il y a la case bleue qui nous enfin en tout cas qui moi m'a attiré à jouer versus définta pareil que dag que j'ai joué ou frange ou fraude. Donc tu choix pour faire 33 points ici. Vie en collante avec pareil la case bleue qui attire le V. Donc les deux V qui ont été joués tous les deux en, en pivot ici pour 24 points chacun au total. Il y avait Vie... Bon, ok. King avec le cul en le genre. Je trouvais qu'elle était très roulante cette partie. Alors Citrate, j'ai eu du mal. Encore un Scrabble unique. Ça fait très très mal ici hein, parce que c'est Omis ou top. J'ai joué Omis qui m'a incité à plus chercher le Scrabble. Mais je pensais qu'il y avait d'autres des, des, des possibilités que Citrate et non. Et non, alors peut-être que citrate, voilà au singulier, à euh, quatre conjugaisons en anagramme. Donc euh, c'est peut-être pour ça qu'on connaît un peu moins ce mot citrate avec un S, Voilà un peu un peu délicat je trouve. Euh, celle de l'acide citrique, voilà. Rapprocher du, 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 rapprocher du mot citrique, floca cloca. Bon, le tirage est assez flippant. On passe va pas se mentir. Exo ou omi. Je rejoue au mi du coup. Ou su d'ailleurs. bon il y a du choix. Exo, faut aller chercher quand même le Joker X là. Il euh, faut être motivé. Hein. Euh, on peut jouer énuclé si on est plus poli. Voilà. Euh, sous top à 29 points. Éminé, adjectif. Pas du tout. C'est deux mots différents. Donc émine. Ou bien éminé. Euh, voilà. Bon, si vous le retenez en adjectif, ça marche aussi hein, pour le scrap, mais c'est faux. <laughs> voilà. Étendu de terrain, dans l'ensemencement nécessité, une émine de grains. C'est quand même... C'est quand même, du coup, euh, ça se rapproche. C'est pas complètement différent. Euh, c'est deux entrées différentes M, voilà bon, Kaashi euh, qui termine cette partie euh, courte et roulante, 1001 points, 19 coups, euh, donc c'était bien pour entrer dans le tournoi. Il y avait quand même plusieurs scrabble uniques, donc c'était pas si donné. Allez, j'y retourne. Voilà pour la deuxième partie, j'ai envie de dire ça se passe pas mal, un petit top en 9 minutes 20. Ça fait plaisir, le temps est bon pour l'instant sur les deux premières. Euh, c'est fluide, bah oui, ça fait plaisir parce que je joue pas très très bien depuis un, un, un mois ou deux. Donc voilà, c'est cool. Allez, on y va pour le débrief. Euh, pour moi, le coup plus délicat, Ostiole euh, sur cette partie. Euh, le Joker, deux os. C'était difficile. Allez, on va débriefer. Il y avait quelques scraps uniques. Il y avait des difficultés. Euh, il y avait quelques difficultés. Allez, on y va. Euh, donc, euh, premier coup, athée. C'est le seul, mais bon, ça va aller. Il y avait aft qui faisait deux points points. Ou pâté et e. Euh, D'ailleurs, le verbe aussi. Pajot qui est toujours un peu difficile, euh, Taiji qui est guère plus facile, euh, Pajot qui s'écrit euh, soit avec le J, soit avec le GE, alors c'est plutôt rare en enfin, français des mots qui font joter comme ça. Donc euh, un mot relativement atypique. Euh, Taiji, principe originel de l'univers dans la pensée chinoise. Punt, alors là, euh, tirage complètement moche avec deux i, deux u. On ne peut rien faire grand-chose à part... On peut rien faire.. Euh... Je ne peux pas faire grand chose à part punt. On sait une unité monétaire de l'Irlande. Fluoride, bon bah c'est mignon. Bon moi bah ça m'a flashé quand j'ai regardé le TE. faut dire que la grille ne propose pas beaucoup de possibilités non plus. Euh, le sous-top était Fluor, qui, fait, qui faisait nef, mais ça perdait 10 points. Flou, voilà. Nef c'était la clé ici pour faire des points. Après, on tombait sinon à 18 points. Hein, donc c'était la, la dèche. Voilà. On pouvait aussi faire... Euh, ouf, mais peu de points. Hein. Donc fluorite, qui est l'anagramme de quelque chose, il me semble. Ah non, c'est fluorine uniflore, un ah, filouté et fluorite. <laughs> voilà. Donc vous pouvez retenir ça, c'est pas mal quand même, deux binômes, fluorine uniflore, fluorite, filouté, voilà. Donc fluorite égale fluorine d'ailleurs, chlorure de calcium, voilà était plutôt sympa et donc marrant que fluor que le début du mot fluorite soit le, le, le sous top rugis qui gagne deux points sur surgis qui gagne sur grossi voilà bah, je suis passé par euh, par les sous top là Commencé par grossi puis surgis puis rugis hum, grise en sous top euh, faisait pas jo mais bon c'était loin hein. alors là il fallait aller d'aller chercher au moins un des trois scrabble Culex pour 9 points, ben c'est pas si facile, il faut venir chercher la collante avec le C, le tirage est pas mal, on peut se demander s'il y a un scrap, on peut se demander s'il y a des légendes. notamment 14A. Euh, Sous-top Exil, je vais commencer par là, il y avait Cieux qui faisait aussi 42 points. E euh, avec le X en pivot, toujours regarder les pivots, mais voilà, Exil, c'est le même principe, c'est le pivot EX. Donc Culex à euh, moustique. Ça alors j'aurais jamais, jamais parié ça comme définition à Culex. Slow, alors ça c'est vicieux euh, par rapport au quadruple moiré, moiré isomère hein, d'ailleurs, et on peut rajouter rémoise. Et oui, en sous-top, alors je l'avais astucieusement joué à droite, donc ça c'est vraiment très malin. Euh, bon, ça gagnait quand même 5 points ici, cependant moiré, et puis après il faut aller chercher ce slow, c'est pas facile parce que bon. Moi, j ai, j ai, en fait, j'ai pas pensé euh, jouer à cette place-là. Pas vraiment, un petit peu au début du coup. Mais euh, sinon, c'est en pensant à Slow, bêtement, que je suis venu le faire là. Donc, euh, bon, ce serait plus logique de penser à faire pageau, mais voilà. Démarié qui gagne sur désaimé. Désaimé, un verbe ODS7, ancré en 2016 dans le dictionnaire du Scrabble. Si c'est d'aimer, Qui étaient les deux seuls Scrabble de ce coup. Mais bon, c'était abordable. Surtout, peut-être, démarié en quadruple. Surtout en topping, puisque si c'est une partie, on peut se poser la question est-ce que ça existe des mariés Vous voyez que ça n'a pas de rapport avec euh, se marier ou, <laughs> ou avec divorcer. C'est éclaircir une plantation en agriculture. C'est vrai que c'est du vocabulaire. Euh, voilà, donc, euh, mais dans un topping, on peut tenter. Vurm, euh, euh, 42 points qui viennent sur Cro. Voilà, alors le X, il fallait vraiment le surveiller, ici, avec le mot qu'on double. Une euh, des meilleures places de la grille actuellement. Donc euh, on va en reparler tout à l'heure. Asti qui gagne 2 points sur rigola. Euh, J'avais commencé par CA. Ah, il y avait Costal. Il n'y avait, avait pas beaucoup de solutions payantes ici. Alors j'ai regretté Koati en B10 là. Qui faisait Ease. Vraiment dommage. Hum, et puis aussi euh, j'ai regretté quelque chose d'autre. Catergol peut-être ou. Je ne sais plus. Euh, Gaiacol. Gaiacol en B2. Dommage euh, s'il y en a eu un A. Mais bon, bien sûr. Facile à dire. Donc, Astic, euh, outil de cordonnier pour lisser le cuir, avec le C, c'était pas facile euh, de mettre le C en, en bas. quoi Alors, évidemment, si on veut faire des points, on met le C en bas. Donc, ça aide. Mais euh, dans la foulée, il faut être vigilant parce qu'on enchaîne avec mastic. Alors là, euh, j'étais vigilant, donc euh, j'ai enchaîné. Mais euh, bon, ça va, on pouvait limiter la casse à moins 7 seulement, avec kiffé ici. Kiffé qu'on va jouer d'ailleurs le même verbe au même endroit, juste après. Donc, Zamu ce euh, veilleur de nuit en Afrique centrale on joue Kif qui bat tokai ou oh là, là là tokai là c'est dur là. Euh, cet emplacement euh, bon heureusement qu'il y a kif j'ai envie de dire Adorné. scrabble unique euh, le verbe adorner voilà un verbe de 7 lettres qui veut dire orner en littérature c'est pas du tout euh, donné et dessous c'est donax 30 points, ça fait moins 51 quand même. L'addition est salée. Berix, c'est cher. 50 points ici. Ce poisson osseux. J'avais broyé en collante, mais c'est 12 points derrière. Donc faut il bien, faut bien venir rechercher le X ici. Et puis connaître Berix, évidemment. Alors le coup difficile pour moi de cette partie 2e avec le Joker, c'est toujours assez flippant. Et ça peut souvent donner des belles solutions. Alors, ici, pas tellement de Scrabble. Éclosion Joker C, j'ai envie de dire, faut s'accrocher. Peut-être même le plus dur de tous, sans le C dans les mains là. En plus, en s'appuyant sur le N d'Adornay, c'est une place qu'il faut avoir envie de chercher là. Sinon, on était sur le trinôme Ostiole Oolite, Lotoise qui est un trinôme, euh, pas évident du tout, hein, parce que aucun des trois mots peut, naturellement, peut-être toi voilà, ceux qui, 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 qui peut-être habitent <laughs> dans le lot, mais euh, sinon, ostiole, c'est du vocabulaire, de la botanique, et puis oolite. Oh, euh... variété de calcaire, donc après la fluorite, on est encore dans le calcaire, ou quoi. Euh... Non, c'était autre chose tout à l'heure, qui était de calcaire. J'ai déjà oublié, grande mémoire. Euh... Ah, il y avait auriole, tiens, ouais. Oriole aussi qui passait, mais bon, pas, pas plus facile de Oriole Joker R. Donc, un coup très dur pour moi, clairement. Ici, si on si n'est on pas sur le Joker T, on n'est pas bien. Euh, aller chercher Oriole, c'est pas facile. Euh, après, c'est un classique, c'est des mots classiques, tout ça, enfin, relativement classique du Scrabble, justement parce qu'il y a les deux os, mais pff, ça reste dur. Ça reste dur. Et puis, son sous top, c'était de prendre AT et Slow, et ça faisait 27 points, donc ça faisait très très mal. Au moyen de perdre des points ici. Ensuite ça allait beaucoup mieux, ah, rablure anagramme de rebrûla. Ouais, pas facile. <laughs> Barulé, brûlera rebrûla rablure. OK. Allure en sous-top moins 6. Mac, -mic, mic nouveau mot 2020, boule de pâte en dans un bouillon, spécialité du sud-ouest. Puis on, on vient reprendre les points du cul pour kin. On vient reprendre les points du J pour Dej, la place de de tout à l'heure, et puis euh, on fait VE en collant qui gagne sur en vidé. On met un SA à Dornay et puis on joue Yves ou vie Plus facile que Gemina quand même. Bon, il y avait du choix. Il y avait du choix à 16 points, euh, 17 points. Voilà pour cette partie, ben, ma foi, euh, pas mécontent de la topé en 9 minutes 20, parce que n'était euh, pas, pas donnée. Hein. Voilà. Donc, euh, donc bien content. Et on va essayer de poursuivre sur cette lancée. Diantre <laughs> J'ai raté deux coups, dont un triple appui désireront sur s'y reposer quoi. La violence. La violence du coup. Euh, Je n'ai pas du tout cherché cette place, le tirage était stressant, il y avait un joker, il y avait plusieurs places. C'est rapidement perdu le fil du coup. Et euh, voilà, perdu 8 points là-dessus, puis j'ai raté, puis bon, autre. J'arrive pas à former, c'est trop dur de mettre trois voyelles consécutives dans une diphtongue. Euh, on ça s'appelle comme ça. Et puis voilà, bon, bah pas mécontent, 12-42 sur cette partie, évidemment, c'est moins bien que les deux d'avant, mais c'est comme ça. Allons-y pour le débrief. Ovat à voix, bon, il y avait du choix. Xi en pivot, ça va aller. Ra ou Ri, ok. Euh, Mignota. C'est le scrabble unique, quand même, là, faut, faut, faut faire attention. Euh, je jouais Gomina, bon, vrai une fois qu'on dit Gomina pas le top, ça t'aide aussi à te dire, bon, chercher quand même des points, parce que Gomina ça fait beaucoup, mais, euh, mais voilà, ça reste ça reste pas évident, mignoter. Cajoler. Yam avec le Legendre, bon. Durcir, il y a une petite difficulté, c'est d'enlever le C de la case bleue. J'ai commencé par mettre le C. Voilà. Par exemple, ici, on met le C, on peut rester très très loin du top. Si on met jamais le D à la place du C, on perd 11 points. Voilà, donc. Euh... Classique. Euh... Arak qui fait 72 points. Arak on peut écrire de trois façons différentes. haut de vie. Yaka, euh, qui fait des points. Moins 3. Hymn ou c'est au choix. Le sous-top est très 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 loin. Smoke 28 points. La moitié. Olefin, Felony, euh, le petit binôme euh, de vocabulaire. Hydrocarbure, euh, voilà, Felony. Et c'était le seul crable. Euh, Là-dessus, Folk en sous-top à 32, limite un peu la casse. C'est pas facile. C'est pas facile si on connaît pas le binôme qu'on l'a vu il y a longtemps. Euh, faut commencer par le haut là. Alors, euh, on va dire que peut-être euh, ce qui limite un peu la difficulté du coup, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et que si on cherche un scrabble, on est à peu près un scrabble sec, on est à peu près obligé de commencer par une voyelle. Même c'est pas à peu près, c'est sûr. Donc, euh, alors par contre, c'est pas parce qu'on commence par une voyelle qu'on va commencer par le haut non plus. Mais, euh, mais voilà, pas pas évident, pas évident. Des points à perdre là-dessus. Encore un scrabble unique. H I en pivot, ça, ça allait. J'ai perdu deux points sur de quoi. J'avais peur de disputer... Enfin, je sais pas quoi j'ai eu peur. Juste, j'ai pas réussi à former ce mot. J'ai essayé, essayé, essayé. En vain. Je vais dépiter... Dépiter ce qu'elle veut dire. Euh, MOOC. MOOC. mot très récent. Euh, bah, 2020. Le mot euh, ODS8. Voilà. Euh, tac. Tonde ou euh, tondo. Comédon très élégant. Désireront. Bon, bah, j'étais au sous-top à 75 points avec mon retour de poire en En fait, que j'ai pas compris, c'est comment faire plus. Euh, Est-ce que j'ai cherché en partant du C là, pour faire un double appui, en Euron Pensez à Euron, c'est dommage parce que si on pense en Euron en e et qu re rond, et qu'on le met là, on désireront. Bon, voilà, c'est pas le coup du siècle non plus, quoi. Mais il faut venir sur cette place euh, et y croire, voilà, comme d'habitude. Euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je crois qu'on ne pouvait pas battre. Donc ça ne servait à rien que je cherche en M2. Comme un idiot. Voilà. Euh, bon, il y avait Randor, il y avait Hérode, il y avait Endroit, Rotonde. Tout ça faisait 75 points et ça perdait 8 points sur Desiround. Très joli coup. Néanmoins surnager euh, j'avais peur du quadruple, le quadruple, c'était très effrayant c'était ça aussi le problème du, du coup de désireron c'est eh oui et eh oui odorante euh, donateur tout ça quoi sur le a là il faut essayer de faire euh, me et on peut pas en fait sinon ça aurait fait plus euh, selon toute vraisemblance oui c'est à peu près sûr donc euh, bah de toute façon voilà il pas de solution surnager en glua. Ouais, j'ai j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus. Alors, sans su, c'est hyper élégant comme solution. Sanguet, ouais, pareil que guette. sans quai, sans quête. Bon appétit, sonnage, au Bon, euh, voilà. Sinon, j'étais sur, euh, j'étais, je sais pas où j'étais, mais j'étais, ouh là là, c'est très beau, ça, c'est pas payé. Angélus c'est très beau aussi mais on peut jouer au nage. Bon ben voilà, euh, pour ce coup il y avait quand même des solutions. Alors, pelé, c'est vicieux, c'est la collante ici, euh, et il ne faut pas mettre le F en dessous du I. J'étais longtemps bloqué avec le F en dessous du I, fa fatalement, ça donnait rien. Euh, sous top self. Ah, elf qui gagne sur self, ok, pas facile, elf, je trouve. Hum, full B, nouveau mot 2020, donc c'est la fête des nouveaux mots, ici relatif au peul adjectif. Enfin, il gagne 5 points sur Fabulé, euh, joli. Il n'y a pas grand chose d'autre. Ekin avec fameux Pieuté. Égalé qui gagne sur Anté. Et Ekin, j'ai oublié Ekin. Cajou, Cajou. Euh, Jaco, pardon, pardon. Jaco. Cajou. Faut pas mélanger les deux. Judo. Euh, ok. Bon. Do, euh, en légende. Les, les legendes viennent bien quand même aujourd'hui pour l'instant. Ils sont pas vicieux. Et puis on peut finir avec deux coups magnifiques. Livré ici qui était retenu. Euh, beer en collante. Et je me suis contenté de ravir. Bon, qui n'est pas dégueulasse non plus. Euh, voilà. Euh, J'en étais où avant J'en étais, euh, je sais pas. Un truc loin. Ou bon, rien. Ou oh, à rien. Achi, voilà. 18 points moins 3. Bon, et eh bien. Euh, elle était plus dure. J'ai trouvé qu'elle était plus dure. Euh, mais bon, fatalement. Les parties où on a plus de mal que les autres, on les trouve plus dures, <laughs> donc difficile de faire. Bon, désireront euh, quand, hein. euh, quand même, quand même, quand euh, même le coup joker euh, faut aller chercher les trois lettres posées. C'est pas évident. Après les autres scrabble euh, miniota unique, oléfine unique. Bon, j'ai envie de dire que c'est pas offert non plus. Voilà. Allez, j'y retourne. Ouais. C'est pas brillant. Ah bon <laughs> Voilà. J'ai raté inavoué. Moins 52 quoi. J'ai rien raté à côté, j'ai fait 8 minutes zéro aussi. Je sais pas quoi dire. Euh... Évanoui, inavoué. J'avais évoqué au tirage. Je sentais qu'il y avait peut-être une anagramme. J'ai pas trouvé. Ça en dit assez long sur mon niveau de jeu actuel, je pense. Voilà, alors on va partir en arrière. Euh, le reste était très, très, très roulant de mon côté. Euh, bon, voilà. Enfin, relativement roulant. AXA, Tole, qui fait. Il euh, y avait Yula. Il y avait Yula. Y Il avait, y avait beaucoup de choses. On pourrait faire Tex. HOU, Piola. Bon, ben, en faisant AXA, euh, voilà. Il y a deux U dans le tirage. Ok. J'ai avant très vite. J'essaye d'optimiser cette place et pourtant je vois bien qu'on peut pas. faut faire 11 ou un mot silette. Euh, impossible de commencer du I. Comme sois-y. commence pas par le S, là je commence pas par le I. Je veux mettre le I au milieu, absolument. Je fais vouer » en D1. Euh, inavoué, même pas en rêve. Voilà, tous les mots qui commencent par I. La plus personne de mon côté euh, incapable de former un mot comme ça, euh, ça c'est grotesque, hein Et voilà. Enfin, euh, c'est grotesque, c'est dur, mais quand tu joues au scrap depuis 20 ans, tu dis que tu peux trouver Ivan inavoué quoi en 2 minutes 30. Tu, tu te dis ah, la grille, elle est pas folle, il hein. a très peu de possibilités. Le tirage il est pas mal, mais il n'est pas non plus, c'est pas des lettres à un point par exemple. Inavoué, en plus c'est avec le V qui tombe, sur le bleu. bref. Moins 52, il euh, y avait que d'allant sous top. Euh, j'ai 28 points, euh, je suis très content quoi. Très très content. Euh... Bon, j'ai rien cassé. C'est déjà ça. Tout est intact. Euh... Soupirail Oh, c'est tellement beau Ça méritait tellement le top. Comme d'habitude, le super mot est en sous-top quoi. Polirait, Comment tu tu. Poliret, ça mérite pas le top par rapport à soupirail, quoi. Ok, Léon en venant mettre met la case... Le Y sur la case bleue. Wad en faisant bien le tour des U. Acerré, bon le Q servait à rien là-dessus. On joue 5 dans la foulée. Binocle, c'est joli. Blémis lesbisme, oh là là, beaucoup plus dur lesbisme. Sous top Brésil, il euh, n'y avait pas grand chose en dessous. Fui ou soutif, ou fuit, ou fuit, bon, il y a du choix. Sombe ou sombe d'ailleurs. Euh, qui fait pareil que mob. Kena ou canoun, alors là évidemment je n'allais pas faire canoun. Euh, THE, bon, en collante, mine en collante. Ordrer, alors ça c'est joli, ça aide 5 points en plus sur rendre. Euh, après on peut tellement, tellement, tellement rien faire que peut-être on peut venir à un moment faire toller ER et essayer de descendre. Tellement, tellement la grille est, est bloquée quoi. Euh, ça rend le coup sûrement un peu moins dur que dans un autre contexte. Parce que sinon c'est pas si facile de faire ordrer comme ça. Euh, adjectif. Zikr, bon bah le mot de l'enfer, de hein, toute façon ici euh, j'étais avec mon Zec, euh, je comprenais pas ce qui se passait. Hein. Zikr, quoi. Ou d'ailleurs ça se dit même pas comme ça. Peut-être ça se dit euh, autrement. Je <laughs> sais pas comment. Dikr, euh, Zikr. zikr. Je, je, je sais pas. Si vous avez la vraie prononciation, n'hésitez pas à la mettre en, dans les commentaires. Euh, elle est sans doute écrite dans le DS d'ailleurs, mais ouais. Bref, euh, très dur. Feuge, euh, plutôt classique. Tech, hyper classique. Et cette partie, c'est fini. Quel gâchis, quoi. En quatrième partie, raté inavoué. Voilà, le truc qui fait très, très plaisir. Bon, sinon, euh, le temps est bon. Je peux faire un très bon temps si je ne m'écroule pas sur la dernière. Les coups ratés sont corrects, je crois. Donc, allez, je vais m'accrocher pour la dernière histoire de placer quand même, alors même si le négatif, vient d'exploser en vol, euh, au moins d'être correct en temps et en coup raté. Et un petit top pour finir couronnerait, euh, couronnerait quand même ce, ce tournoi, cet épisode où j'ai relativement bien joué, mais ça ne va pas se voir en négatif du coup. C'est la, la cruauté du, de la formule de jeu, quoi hein, mais du duplicate. Voilà. Allez, je repars. Voilà comment gâcher le temps en mettant 14 minutes sur la dernière en jouant en jouant en ratant les, les coups l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier quoi. Alors l'avant-avant-dernier, un féodat était spécialement dur, j'ai trouvé. Mais un mètre, un E à déverguer. Euh, C'est sans commentaire, quoi. Bon ben pff, voilà comment je termine. C'est dommage. Je rate deux coups là-dessus. Donc je gâche un peu mon nombre de coups ratés. Je cache un peu le temps. Bon. Allez, je vais faire le bilan après le débrief. On part en débrief. Là-dessus, de la dernière, on le filmait. Poser, ça vient bien. Planquer le seul scrabble. Il gagne sur le quadruple le pin Bon, faut vraiment pas abandonner la recherche du scrabble sous prétexte qu'il y a que deux voyelles. Hein. Euh, on a un i, on a un a. On peut faire plic sur le i, ça fait pas un scrabble, mais ça fait des points. Et on peut faire planque sur le a. Kamimaki. Yoga, euh, déverguer, bon ben voilà ce verbe qui se crabe unique ici, euh, la marine, toujours la marine, ôter une voile de sa vergue. Oula, coup de, coup de problème de luminosité. Le ciel s'assombrit soudainement. Ouais, je pense qu'il essaie d'être synchro avec ma dernière partie. Hum, bon, bah le verbe déverguer, faut le, faut le connaître, hein, voilà. Euh, Enverguer, déverguer. Les deux verbes à connaître. Chantera, chantage. Oh là, c'est les deux seuls. Ah oui, c'est pas facile quand même. Ah hum, hum. ok. Hum. C'est pas... C'est pas évident du tout, tout ça, du coup pensais qu'il y aurait eu plus de solutions, mais non. Donc, euh, donc dur, finalement. <laughs> des verguères, c'est mignon. Criblera mmh, Scrabble Unique, ça me fait penser à un fameux Cibleré qui était tombé en Choupa de France, si je ne m'abuse. Euh, ou à Vichy, en tout cas. Euh, Bercaille. Euh, D'ailleurs, est-ce que c'était vraiment à Vichy C'est même pas sûr. Euh, Bercaille. En ce top, bah, ça fait mal, ouais. Faut, faut être bien concentré là. Blender. J'ai fait Blend, j'ai pas pensé à Blender, je suis revenu plus tard. Accès en collante avec le X en pivot, classique, Rota qui fait KA, classique, Crible, j'ai mis du temps à y repenser, classique, Sucra, on met un S à Blender, bon, c'est pas fou tout ça, euh, la collante que j'ai eu du mal à venir faire. Bon, il y avait Tinamo Manitou, ouais, j'ai eu trop peur du Scrabble ici, autonomie en double appui, bon, euh, rien, euh, rien. Ah, ouais, ça, Yoga Rota, sucré unT ça déroule. Interposé, waouh, c'est dommage. Sucrante également. Bon, alors là, encore un Scrabble unique euh, qu'on qu peut, qu peut rater. Alors, euh, comment je l'ai trouvé Ben, euh, j'ai pas du tout pensé à redépose, redéposer ni à déverguer Évidemment, sinon j'aurais pas raté déverguer Après, euh, je suis venu faire idée. J'ai fait scier euh, au bout déjà d'un certain temps. Et puis, j'ai fait idée en dessous. Et là, je me suis dit, OK. Si 29 points n'est pas le maximum sur ce coup, il y a peut-être un scrabble. Immédiatement, dérité, quoi. Donc, euh, Et immédiatement, j'ai vu donc Typique topping. Typique topping. Ici, si c'était sur une partie tranquille. Euh, tu es là, tu essaies de faire des points. Tu vois idée, tu dis, Ah, c'est pas mal. Alors, peut-être que ça te relâche de voir idée, même si personne ne te dit que c'est pas le top. Et peut-être. Mais bon, le problème du relâchement, c'est que c'est à double peut être à double sens, hein. tu peux te relâcher, te reposer, dans ce cas-là, tu es, es mort. Reposer, qu'on peut jouer d'ailleurs sur ce coup. Ou bien tu, tu, te, tu te détends et tu as l'esprit plus clair et tu peux voir un Scrabble. Mais, euh, mais le topping, c'est pas ça. Le topping, c'est on te dit Attends, c'est au contraire, on te, on te met un coup de stimulation, on te dit Ah, il y a un gros coup à aller chercher. Évidemment, c'est toute la différence. Moi, euh, bon, le nombre de fois où je joue un, un coup à 20, 25 points, 30 points, ou souvent plutôt trentaine de points, parce que c'est un truc qui fait des points. Et je dis pas le top, comment tu dis pas le top sur cette grille Comment c'est possible que 30 points. Et tu vois instantanément le Scrabble. C'est fou, hein Donc là, euh, bah, c'est une énorme différence. La formule de jeu topping par rapport à la formule de jeu du pic 4 en tournoi. Hein là, c'est énorme, quoi. Là, c'est ce qui fait la différence entre 70 points et 29 points sur un coup comme ça. Évidemment, à la fin, ça s'ajoute. Et ça, ça très cher. Donc, euh, sidérité, on est d'accord. Hein. Ah non Ça n'a rien à voir avec la sidération, c'est sidérite, une météorite. Ok. Sidérite. Encore plus dur, du coup. <laughs> Chatoyer. Alors là, ça fait flipper quand même ce coup. Hein. Je pense... Alors, c'est presque le coup de à d'ailleurs. Même tirage, presque. C'est un haut la place du U. Euh, c'est assez drôle. Et euh, tu peux vraiment croire qu'il y a quelque chose en 13A, quoi. Ou en 13B. Euh, en, en, dans un tournoi, tu fais pas le malin, je pense ici avec chatoyer en quadrup en sous-top et l'avantage ici c'est que tu tapes chatoyer et on te dit c'est le top et tu passes au coup d'après et tu réfléchis pas quoi et t'es pas t'es pas en train de psychoter pendant pendant trois minutes quoi pendant deux minutes euh, psychoter que vous pouvez jouer c'est rentré peut-être en d 6 hum, Henri en sous-top nettoyable bon c'était le Y courrier en gros hein. Ok, euh, alors est-ce qu'il y avait une solution Je sais qu'il n'y en avait pas du coup. Euh, il y a Eunant, il y des choses comme ça, mais il n'y a pas a priori. Euh... Ah waouh Il y en avait 4 anétol éthanol, fenard, phaéton. Ouais, bah s'il y en a un qui passe, c'est pareil, j'ai envie de dire. Hein. Ça se rate tout ça. C'est pas facile du tout. Ah, oh, il s'en fallut de peu que l'éthanol euh, passe, quoi. Ça fait saut. Incroyable. Fena, ça fait hit. Et Phaéton, fa ça fait saut. So. C'est dingue. Ok. C'était à deux doigts de scrabler. Bon, après, qu'est-ce qui se passe ben, Des coups bidons jusqu'à ce coup incroyable. Un hein, Féoda. Alors, euh, bon. Il n'y a pas grand-chose. On essaie de coller de partout. Euh, J'ai fini par faire actif là. Il y avait FAC, il y avait TAG. Voilà un peu les points qu'on pouvait faire. Euh, et puis il faut aller chercher ce, bah, cette collante cette collante euh, improbable alors par contre petite technique de jeu, n'hésitez hein, pas à revenir tout le temps en fin de partie autour du premier mot pour utiliser les cases bleu clair ça peut souvent donner le top voilà, mais là il euh, faut y aller hein. bon, après si tu viens essayer de coller ici euh, et que tu fais if j'ai envie de dire, tu deviens favori pour voir un féodé ou un féoda mais très dur quand même et ça mérite les 6 points euh, bah je sais pas si c'est le contre-coup ou quoi euh, J'ai perdu un point sur des virgule. Quoi EH Ah bah non c'est pareil Quel idiot J'ai joué OT après déjà longtemps mais Com Comment je pense pas à prolonger Les mots de la grille C'est d'une nullité quand même Alors je sais pas si c'est le bon mot Mais un synonyme en tout cas Une faiblesse je sais pas je... C'est d'un grotesque Quel mot tu peux prolonger sur cette grille Quasiment aucun Si c'est pas reposer c'est pas un S à sidérite. Euh, Qu'est-ce que tu prolonges Accès. Euh, tu peux rien prolonger quoi. Et moi je prolonge pas. Et du coup je suis pas favori pour trouver les tops. Voilà. Bon, bah, c'est dommage parce que ça, ça m'a coûté 2,30 et un coup. Et ça fait une grosse différence par rapport à, à ce que je voulais faire quoi. Pour un, pour un point, là, ça fait une différence importante. Voilà, on va voir dans le bilan. Bon, et puis même exo, j'ai mis du temps. Donc, pff, une fin en autre boudin, de mon côté. Euh, en vrai, euh, mon tournoi, il est pas mal. Euh, on va montrer les, les résultats. Euh, moins, moins combien 15 et 7, 22... 74, ouais. Moins 74, euh... Bon, bah, évidemment, euh... évidemment. Bon, non, mais bon, en vrai, même si j'avais fait Inavoué, j'aurais pas fait un négatif de dingue, j'aurais fait moins 20, moins 22. Bon. Euh... C'était pas ouais. c'était dingue. Par contre, j'aurais été content, vraiment, euh... des coups ratés. Et. et, et ah, J'étais vraiment en... pas loin de faire 4 coups ratés, quoi. Enfin. J'en ça rien. Mais bon, au moins un quoi. De faire au moins un de moins. De faire 5. J'ai dit toujours, si je fais 5, je suis content. Là, je fais 6, quoi. Euh, pff, bon, c'est pas mal, hein, 6. C'est pas mal du tout. Euh, mais c'est un peu frustrant de, de rater déverguer avec un E au bout. Ou choisi, euh, ou voilà. Bon, bref. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, Le temps est donc de 51 minutes 30 et quelques. Ce qui pour moi est très bien. Euh, C'est dans mes hauts standards de, de temps. Donc content des, du temps, content des coups ratés. Et bon, le négatif a explosé sur Inavoué. Donc en négatif, je suis vraiment pas euh, dans la bonne période pour faire des bons négatifs. Euh, par contre, je suis quand même content ici d'avoir enchaîné les parties, ben, trois parties en dessous de dix minutes. Euh, D'être dans un bon rythme, d'enchaîner les coups, de ne pas rater beaucoup de coups non plus. Donc ça c'était bien, ça c'était le point positif, et voilà le point négatif, euh, euh, ben, rater un scrap comme « inavoué » sur une grille pas très exigeante, euh, en ayant l'anagramme euh, qui bousille le négatif, euh, et puis euh, ben, certains coups, voilà, euh, comme… Euh, donc, piste de travail pour moi, ben réussir à commencer les mots par la bonne lettre, hein, « euh, inavoué » et « choisi », c'était ça. Et puis euh, autre piste de travail, donc ben pensez à prolonger les mots de la grille. Je me l'étais dit avant le tournoi, mais j'ai encore ai oublié à la fin du tournoi. Voilà. Et puis je ne sais plus exactement les coups que j'ai ratés. Euh, les deux autres. Euh, je vais essayer d'aller choper cette information sur le euh, site. Vous ne voyez pas, mais j'ouvre... Voilà. Euh, donc euh, je vais tout de suite regarder. Ah oui, piute. Bah ouais, je sais pas, comment je raterais toujours des coups comme Piot. Désireront évidemment pas de regrets et un Féoda pas de regrets quoi. Euh... Voilà, voilà pour mon bilan euh, du jour, euh, c'est correct, hein. c'est évidemment. C'est frustrant aussi en même temps. Voilà, bon c'est la formule de jeu qui, qui est comme ça. Donc après c'est très important de faire une colonne... Euh... Point positif et une colonne point négatif, hein, parce que sinon on peut très très facilement rester sur ce qui n'a pas sur ce qu'on a raté quoi. Voilà. Et donc c'est important de se dire ok ça j'ai raté, ça j'ai trouvé. Euh, voilà. À un moment je faisais ça aussi euh, quand je débriefais mes tournois, je mettais euh, euh, coup frustrant, coup raté frustrant et puis coup euh, satisfaction quoi. Hein. Satisfaction. Euh... Là là je pourrais faire la même chose sur ce tournoi, il faudrait que je reprenne les parties une par une, mais c'est clair que dans chaque partie, il y a 2-3 coups dont je suis content. quoi. Euh, certains, soit parce que je les ai vus vite et qu'ils n'étaient pas faciles, soit parce que je suis allé les chercher. Euh, voilà, clairement, il y a 2-3 coups, donc ça fait, une, on va dire, une dizaine, de, une dizaine de coups, clairement, sur les... Bah, il y en a une centaine à chaque fois, hein, de coups. C'est des parties d'une vingtaine de coups. Donc sur la centaine, il y en a une, en a une dizaine, donc à peu près 10% dont je suis en général bien content. C'est juste que je m'attarde pas dessus. Mais clairement, si je reprends les cinq parties, ça va être ça. D'ailleurs, il faudra que je le fasse. Je vais aller le faire après. Et ça équilibre la frustration des cours ratés qui parfois sont débiles. Voilà, donc un équilibre quand même à faire au débrief. Euh, voilà pour cet épisode. Eh bien, c'était plutôt court. Ça, ça allait. Aussi bien en tant que de mon côté. Que pour le, ce débrief-là. Enfin, remarque, non. 41 minutes. Il reste le débrief au niveau du résultat. Moi, je ne serais pas être trop long au niveau du débrief des résultats. On serait de faire une dizaine de minutes. Et puis voilà. Allez, bah, je vous dis. Euh, je vais attendre la publication des résultats. L'article de la fédération. Avant de réenregistrer la dernière vidéo. Et de là, la, de la coller aux autres. La coller en un ou deux mots. C'est comme vous voulez. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc, euh, bonsoir à tous. Euh, lundi soir, euh, j'enregistre enfin avec un peu de retard. Emploi du temps oblige euh, le, le, ben, les résultats. Voilà. Donc, l'article a été publié. Alors, euh, la première chose qu'on peut noter... Sur cet épisode, c'est que eh bien, on trouve le coup le moins joué. Alors, je ne sais pas si c'est le moins joué des deux saisons réunies, mais en tout cas, c'est le moins joué de cette saison. Ça, ça me paraît clair et net. C'est quatre joueurs seulement sur 480 qui ont commencé. Alors, 396 qui, qui, ont, qui ont tout joué. Donc, sur environ 400 joueurs, il y en a que K. Donc, euh, 1%. 1% des joueurs seulement et donc ça vaut le coup de les citer donc ça fait plaisir de voir leur nom ici euh, Monique Baudry Laurent Boissel Annette Goiset et Guillaume Lecute euh, en plus c'est pas forcément euh, des joueurs euh, qu'on a l'habitude de voir euh, tout en haut des classements quoi hein, à part Guillaume euh, qui est un, un des meilleurs joueurs français, mais sinon, euh, ça fait plaisir. Donc, félicitations pour ce coup, un féoda en collante qui gagnait 6 points euh, dans la dernière partie. Voilà. A euh, noter, un féoda, anagramme de fiadon ou fiadonné. Euh, donc, le verbe inféodé. Sinon, il y avait Astic qui a été pas beaucoup euh, joué non plus, 19 joueurs seulement, donc je, je suis content d'en faire partie. Euh, et puis on prépare le M pour Mastic et le PL pour Plastique. Ostiol, euh, le fameux coup joker que je trouvais pas si dingue que ça, bah finalement on aura été difficile. Euh, alors euh, combiner le mot et la place, enfin euh, à la fois le mot est dur pour trouver le bon joker, et puis la place également. Euh, le coup est stressant, donc 27 joueurs. Voilà pour ce coup. Chatoyer ce fameux coup, on croit qu'il va y avoir un Scrabble avec et Éthanol, et il n'y avait rien du tout. Donc 34 joueurs ont réussi seulement à faire euh, chatoyer sur le Y Joker C. Pourtant, on pourrait se dire Joker C avec un H dans les mains, c'est pas dingue, mais le coup était particulièrement euh, stressant. Voilà. Et puis, euh, alors pour moi, c'est une surprise totale. Que désireront, certes, intègre le top 5 des coups euh, des moins joués, mais finalement de justesse, il est cinquième. Euh, et je, j'essaie je, 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 de comprendre comment il peut y avoir 45 joueurs qui ont trouvé désireront euh, sur trois lettres posées. Euh, il doit y avoir une explication logique. Euh, raisonnable, euh, je l'ai pas. Si vous l'avez, euh, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, ça m'intéresse. Euh, moi, je trouvais en plus le coup relativement stressant, relativement anxiogène. Euh, il semblerait que ce ne fût pas euh, tant le cas que ça, parce que si tu es en, en train d'asphyxier, je ne crois pas que tu vas tranquillement chercher sur s'y sur, euh, reposer, mais bon. Euh, je suis curieux, voilà, de, 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 de savoir plus. Alors le tirage qui a été retenu par la fédération, c'est le tirage de sidérite voilà, qui effectivement a euh, été trouvé par 117 joueurs, euh, scrabble, scrabble sélectif, et un beau tirage avec perfidie vipéridée. entre autres. Voilà. Alors les résultats euh, de cet épisode, et eh bien on y va tout de suite. Alors encore, euh, encore une surprise. Euh, contrairement aux précédents épisodes, non seulement il n'y a pas de joueur au top, c'est-à-dire genre qui est le tous les coups du tournoi, mais en plus euh, ça se gagne à moins 14, hein, donc comme quoi on pourrait pour avoir l'impression qu'il y avait la place, mais en fait euh, personne s'est engouffré vraiment dans cette brèche. C'était pas une brèche euh, facile à prendre. Bon, déjà que quatre joueurs qui ont trouvé un féoda, ça veut dire qu'on de base à peu près, enfin euh, 99% des joueurs étaient sur une base de moins 6 Voilà. Et derrière euh, ça veut dire que en gros Julien Dupont qui gagne cet épisode. Bravo à lui. Euh, pour, euh, donc, il commence à faire une belle collection d'épisodes remportés. Eh bien, il a perdu 8 points à côté. Alors, est-ce que ces est désireront Je ne sais pas, parce que 45 joueurs l'ont trouvé, je ne sais pas. Euh, voilà, et, euh, et on salue le podium de Jean-François Lachaud, ancien champion du monde, et Michael Gauchard, qui avait déjà été invité sur la chaîne. Si vous voulez le voir jouer, eh bien, vous pouvez retrouver cet épisode. Euh, voilà, c'est Louis Garmon et Franck Manican qui complète le top 5 et du coup euh, bah, j'aurais été très bien avec mon inavoué, j'aurais été sixième execo euh, ici, donc ça aurait été vraiment chouette, mais on peut pas refaire à chaque fois l'histoire en se rajoutant les coups qu'on a envie de se rajouter. C'est comme ça, et du coup je finis 22ème à moins 74. Voilà. Petit coup d'œil sur le classement du temps, j'avais dit que je faisais pas un débrief trop long. Donc c'est Romain, bravo, le plus rapide, 32-52, juste devant Julien Dubreuil, d'une trentaine de secondes. Louis n'est pas loin derrière, et Jean-François, euh, très rapide sur cet épisode, qui devance Guillaume Lecut, qui est un joueur rapide s'il en est. Voilà, euh, et ben je ne suis pas mécontent avec mon temps de 9 neuvième ici. Euh, ça fait plaisir, voilà. Euh... Et même euh, si j'avais été, hein, j'ai vu le petit coup de rein qu'il fallait, euh, j'aurais pu essayer de, de griller Thierry. Voilà, mais par contre, devant il euh, y a encore un peu trop d'écart pour que je vais essayer de m'incruster devant. Voilà. Euh, voilà pour le temps. Alors, un coup d'œil sur le classement euh, de la saison, de la saison sur les 7 épisodes. Donc, hein, enfin en tout cas, sur toutes les parties, Voilà. on voit qu'Antonin a joué 29 parties. C'est curieux ça. Pourquoi c'est pas un multiple de 5 Il dû s'arrêter un moment. Pas jouer une partie, euh, il y en a d'autres comme Laurent qui a 27 ou Christophe qui a 26. Voilà, euh, Franck a 31, Marc à 33, RV 29. Donc, tout le monde ne joue pas tout non plus. Bon, voilà, je fais partie des joueurs à 35. La majorité des joueurs sont à 35 euh, ici pour l'instant. Donc, on voit que Antonin est en tête avec 99-47, impressionnant. Devant Julien y a Hugo de la Fontaine, euh, ces trois joueurs qui se détachent un peu, Romain n'est pas très loin derrière, et puis Guillaume, le seul autre joueur à être au-dessus de 98% euh, de topping. Hein. C'est un pourcentage qui tient compte euh, à la fois du, du négatif du temps et des coups ratés. C'est la synthèse de... Mais c'est 70% négatif, 20% euh, les coups ratés je crois, et 10% le temps, ou quelque chose comme ça. Euh, ou le contraire, bon, je ne sais plus. Euh, voilà le classement actuellement. Donc, je suis 19ème, je suis dans ma zone, je suis assez, assez calé, aux alentours de 95. Bon, voilà, j'espère passer au-dessus de 95, je suis vraiment très très près. Euh, sur la fin de, de saison, il reste encore 3 épisodes. Je vais essayer de m'accrocher. Euh, par contre, j'aurai du mal à, à monter vraiment plus haut. Je ne sais pas ce que je peux jouer. Euh, la 15e place en, semble déjà quasiment inaccessible. Euh, Peut-être ça peut être un objectif la 15e place. Ou la Ou éventuellement la 14 e mais bon, je suis pas favori pour dépasser des joueurs du niveau de, de Franck, euh, Marc, euh, Hervé ou Pascal, quoi, hein, ou même, même Jean-Pierre. Il euh, y, a, y, a, y a des joueurs, des joueurs hyper forts, ouais, je ne sais pas si vous vous rendez compte depuis combien de temps ils jouent au Scrabble, euh, tous les tournois qu'ils ont gagnés. Euh, euh, bah déjà, il y en a deux dans la liste qui ont été champions du monde, il euh, y a. Enfin, voilà. Il y a eu des podiums de championnat du monde, enfin c'est tendu. Hein. Voilà, Germain qui était également champion du monde, Jean-François également, Thierry, alors pas en élite, mais à peu près tout ce que vous voulez d'autre Il a eu les, les titres. Voilà, donc euh, bah du très lourd en fait euh, devant, devant moi. Euh, et puis pas bah, mécontent d'être de, de, finalement devant, même si c'est de très peu de joueurs de, de qualité euh, aussi de très haute qualité depuis très longtemps euh, comme Arnaud de la Forge et Didier Rock. Voilà. Bon, bah, voilà pour mon débrief, j'essaie de ne pas être plus long. Euh, J'avais dit que c'était de faire une dizaine de minutes euh, maximum. Euh, J'ai pas montré tous les classements, bon, pour cette fois-ci. Je remontrerai, j'aurai l'occasion de le remontrer euh, dans les prochaines euh, vidéos. Voilà, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Euh, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, si vous voulez être prévenu de toutes les diffusions de la chaîne, toutes les publications, vous pouvez euh, aussi activer la cloche qui est à côté de, de l'abonnement. Euh, voilà, je crois que j'ai été complet. Euh, merci à tous euh, de suivre euh, les vidéos de la chaîne. Si vous voulez euh, retrouver du Scrabble classique, eh bien, vous avez l'archivage de la diffusion de dimanche soir, d'hier soir, euh, la superbe finale euh, de la saison 2 classique, Scrabble classique entre Jean-François Ramel et Benjamin Malour, deux joueurs qui ont déjà été champions du monde. Au commentaire, on avait les excellents euh, Parfait Mouanda et euh, Yannick également. N'hésitez pas à aller découvrir leurs commentaires. Et puis, euh, et puis merci à Renaud, Orphée pour toute l'organisation, Thierry. Et voilà. et, euh, la troisième saison aura lieu à partir de la rentrée. Une pause estivale au niveau des champ du championnat classique. Je crois que ce sera exactement pareil au niveau du e-scrabble euh, euh, topping. Voilà, et eh bien cette fois, euh, je crois que j'ai tout dit. Euh, merci d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.